Recycle Québec a tenu à féliciter mardi soir 17 entreprises et institutions de l'Estrie qui ont atteint le niveau le plus exigeant de son programme « Ici, on recycle ». Cette initiative, créée en 2003, encourage les employeurs du Québec à réduire la quantité de déchets qu'ils acheminent au dépotoir. Le programme Ici on recycle, depuis les dernières années, a connu un bel engouement. Donc, les entreprises qui sont attestées au niveau 3 performance augmentent d'année en année. On est rendu à 150 cette année. Plusieurs des récipiendaires de la soirée étaient des édifices et bureaux d'arrondissement appartenant à la municipalité de Sherbrooke. C'est vraiment particulier à l'Estrie, à la ville de Sherbrooke, entre autres, parce que la ville de Sherbrooke, dans son plan de développement durable, ça a été une des actions qu'ils avaient ciblées. Mais il y en a beaucoup encore qui n'ont rien de fait. On le voit par les taux, les performances que Recyc Québec nous ont parlé, là, qui sont inférieures aux objectifs de la politique gouvernementale. Le cabinet d'expertise environnementale, Chamard et Associés, à accompagner et aider 12 des 17 récipiendaires de la soirée. Possiblement que c'est vu comme un coût. Donc, une fois qu'on est, on est engagé dans la démarche, devient souvent des économies intéressantes côté financier. Là. Le taux de récupération, selon le bilan 2008, était de 53 %. Et donc, c'est important parce que les industries, commerce et institutions, ça génère 41 % de l'ensemble des matières résiduelles qui sont générées au Québec. La plupart des gestes qu'on a eu à faire n'ont rien coûté. Donc, dans le fond, on n'a pas dépensé une fortune pour pouvoir faire ça. La Société d'aide au développement des collectivités de la MRC des Sources a fait figure de championne, réussissant à valoriser plus de 98 % de ses déchets. Et les quatre SADC de l'Estrie ont parti un projet qui consiste à accompagner des entreprises au niveau du développement durable. On les aide à effectuer un diagnostic et à se doter d'un plan d'action. Puis, dans le fond, ça démontre que n'importe qui peut avoir des bons résultats là-dedans.